Oh, je suis dead. Ah, attends, je te regarde. Merci. Ah, c'est le dernier drapeau, t'as un mot. Ah, je m'en bout. Ah, je le vois. Conseiller. Je... Ouais, je le vois, je suis dessus. C'est bon. C'est ouvert. Ah oui, il y a Terra, pas traîné là. Alors... Surtout, j'ai je suis à sec de sec, laisse tomber, j'ai plus rien. Si, ils sont humains. Hein. Un... Ouais, enfin, moi, il me dit. Complet. Il y a que dans le jeu, on est blindé. Et là, c'est la dernière salle alors ici, c'est ça? Ouais, t'as les chiens. Avant le boss. Par contre, les chiens, c'est un peu casse-couille parce qu'il faut bien se repérer en fait. Ouais. Les chiens, oui. Je sais que pour me repérer dans les chiens, je mettais un coup d'après-midi avec des collègues, on est rentré dedans et... Si on ne s'arrête pas pour savourer les petits plaisirs de la vie, on minimise... Attendez, avant de rentrer, voilà, tuer tous les mobs en même temps et on s'en fera tous un stock de lourdes. Ouais, moi je suis bladé en lourd donc je vous les laisse. Moi je suis à 7. Hein. Ouais, bah du coup, je vous les laisse tranquille, je reste au-dessus. Moi j'ai que deux lourds là. Ta gueule. Ah, moi je courrais dessus attendez, directement. Attendez, c'est bon. Non. Attendez, faut qu'on fasse le ménage déjà. Ouais. Parce que... Ah ouais, puis il faut m'expliquer. Ouais, deux, trois fois, comme vous avez vu. Oui. Oui. Ça fait les gorgognes. Un caveau. Ouais, les gorgognes, ouais. Qu'elle pouvait pas nous regarder, là, c'est ça. Hein. Ça ressemble à ça, ouais. Ah, ok. Ouais, c'est exactement le même principe. Ah, j'ai que deux roquettes, ça craint. J'en ai quatre. Ouais, t'inquiète. On a notre petit Pascu qui va se charger de nous expliquer tout ça. Ouais. Vas-y, parce que à toi la parole. Alors, donc, pour... attends que la musique se finisse parce que ça. Non, mais il y avait des lourdes là, j'avais pas vu. Oh, ça me fait 5 roquettes. 6 roquettes. Je suis en train de ramasser une dans les hautes herbes. Tu pèses. Ouais, ma gueule. Ici, il y a. Tout le monde a déjà fait à part Super ça. Je vais me servir un café. Ouais. Donc tu vois super, il y a deux cristaux à droite et à gauche. De chaque côté, ils ont trois puits de lumière. D'accord. Eux, ils vont pouvoir, ceux qui vont prendre les cristaux, ils vont aller dans les puits de lumière. Et leur but, c'est pour eux, ça va être de nous faire exploser des fleurs quand on va passer à côté. Bref, quand ça va lancer, le bunker sous lequel on est là, la plaque derrière toi, elle va s'ouvrir. Ouais. À l'intérieur, il va y avoir quatre boules à ramasser. C'est des bouts de pollen, je sais pas quoi. Enfin bref. C'était merde. Voilà. Descends avec moi. Et donc à l'intérieur, le but ça va être de charger ces fameuses boules. En fait, il y a des fleurs. Là, justement, il y en a 8 à l'intérieur. Ça, c'est la première à droite. D'accord. Hop, suis-moi. Ici, c'est la deuxième à droite. La troisième à droite, elle est... Attends, j'ai pas de connerie. Elle est ici. Après, attends, je vais te montrer le milieu droite. Celle que tu vas te montrer, là. C'est droite ou gauche? Droite. Par rapport... En fait, t'es sur le bunker et tu regardes la salle. On raisonne comme ça. C'est par rapport au bunker, ok. Voilà. Ensuite, repartir vers le bunker. C'est par ici. Donc tu vois, c'est dans le brouillard, hein. C'est un peu casse-couille. Ouais. Après, je vais te montrer le côté gauche. Donc la première à gauche. La deuxième à gauche. Là, c'est une espèce de gros sac avec des trucs tout dégueulasses dessus. Hein. C'est pas compliqué à repérer. Le troisième à gauche qui se trouve ici. Et le milieu gauche qui est au milieu des arbres. À l'intérieur, pendant toute la phase là, le but c'est de charger.
ceux qui sont en hauteur, ils vont nous annoncer où est-ce qu'il faut aller. Donc il faut bien rester groupé. Il faut réellement rester groupé. Souvent là-bas, c'est leur partir vers le bunker. Encore il y a un doute, retourner vers le bunker. En attendant que eux, ça pop pour nous dire vers laquelle il faut aller. Et vous verrez en fait, quand nous en bas, les flares sont allumées en violet. C'est assez visuel. Donc on reste groupé et on fait. Faut vraiment rester groupé, ouais. Faut rester en paquet en bas. Faut rester regroupé, groupé. Okay. Généralement au début, il y en a deux qui vont popper, après le pop une par une. Ouais. Et c'est le but, c'est de charger ces sports. En fait, c'est un multiplicateur de dégâts. Donc si on est bien groupé et à chaque fois qu'on va en péter une, on va récupérer un multiplicateur de 12. Qui sera intéressant, c'est de monter au moins 1x48. Ce serait déjà pas mal, ça fera récupérer 4. C'est pas dégueu. Quoi. Mmh. Et pendant le temps là, en fait, il va y avoir. Donc il y a 6 chiens à l'intérieur. Donc on est 6, ça nous fait un chien chacun. Généralement, ceux qui sont au-dessus avec les spectres, enfin les cristaux, ils prennent le 3ème à droite et 3ème à gauche. Ça vous va? Ok. Voilà. Qui c'est qui prend les cristaux? Ensuite... Laisse-le finir d'expliquer, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, les chiens, ils vont aller bouffer. Une fois que ça, on va se faire repérer, ou alors quand on arrive à la limite du temps, les chiens, ils vont toujours aller au même endroit. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, à gauche, ils vont sur la première fleur de gauche, la fleur qui est au milieu à gauche et la troisième à gauche. Et à droite, c'est les fleurs 1, 2 et 3. Ils vont pas sur celle du milieu droite dans les rochers. Tu peux répéter ça? Ouais, ça je vais répéter. Donc les chiens, ils vont toujours bouffer les fleurs au même endroit quand on se fait repérer. Ouais. C'est pour ça que pour la phase de DPS, faut qu'on se dise dès maintenant qui va aller péter quel chien. Généralement, ceux qui vont prendre les chiens qui sont au fond, ceux qui ont les cristaux. Parce qu'ils sont en hauteur, ils y arrivent plus rapidement. Ouais. Et après, les quatre qui sont en bas, il faut se répartir les chiens. Voilà. Deuxième droite, premier droite, milieu gauche et premier gauche. Ceux qui connaissent pas vont prendre premier gauche ou premier droite. Ouais, moi je vais prendre premier gauche. Soit de... Hein ? Moi je vais prendre premier gauche, super premier gauche. D'accord. Alors la phase de DPS va durer dans les à peu près 30 secondes, hein. Ça va être très rapide. Hein. Moi je prends fort. Pendant que vous y serez, il y aura pas mal de petits chiens. Les petits chiens là, on s'en occupe pas. Faut vraiment mettre le DPS uniquement sur les gros chiens. Cela dit, méfiez-vous, quand il vous arrive dans le dos, je suis mort quelques fois quand même. Donc si vous vous faites bouffer le cul, retournez-vous. Quoi. Vous sautez un petit peu, mais pas trop. Parce que si vous sautez en hauteur, vous n'êtes plus dans le brouillard, vous n'avez plus le bonus de dégâts. Ok. Voilà. Donc ceux qui ont les cristaux, c'est pareil, il ne peut pas faire du DPS sur les chiens depuis le haut. Il faut le faire réellement depuis le bas. Enfin, si tu peux faire du DPS, mais tu n'as pas de multiplicateur de dégâts. Donc ça sert à rien. Ouais, tu fais tes munitions pour rien. Ça. Voilà. Et si on n'est pas sûr. Alors, s'il y en a qui prennent de l'avance sur le DPS de leur chien et d'autres qui sont en retard, à la fin de chaque phase de DPS, il faut qu'on retourne dans le bunker. Elle a dit ouais, le mien, j'ai enlevé qu'un quart ou il reste un quart, tu vois. Et dans le cas là, on peut filer des coups de main à droite ou à gauche pour parce qu'en fait, les chiens, faut les tuer en même temps. Faut tuer les 6 chiens sur la même phase. Ah. Voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, si tu tues les chiens au fur et à mesure, le truc qui va être chiant, c'est que des fleurs, il y en a beaucoup moins qui pop. Alors t'attends. Et vu que t'as une limite de temps pour ramasser. Ah, tu diminues ton multiplicateur. Ok. Bah on va travailler, on va faire un travail. C'est pour ça qu'il faut les péter au deuxième tour. Ouais, voilà, beaucoup. 2 voire 3 tours. Par contre, au deuxième tour, vous avez le droit d'aider. Mais en tout cas, au premier tour, faut pas les buter pour bien faire. Au premier tour, déjà, on les bute pas, ça c'est sûr. Prenez un cristal, pas le deuxième. Ok. Alors. Donc les gros chiens, on les bute pas alors. On diminue leur vie au maximum, mais on ne les tue pas, c'est ça que tu... Moi, je conseille franchement, c'est le lance-roquette. Hein. Il n'y a rien de tel. Hein. Pour DPS, les chiens, moi, j'ai rien vu de mieux. Si possible, la sous-munition, comme celui du raid ou celui que j'ai là, c'est celui des assauts. Celui s'appelle... comment Dernier rappel. Attends, on expliquait tranquillou. Bah voilà, donc, c'est à peu près tout. Hein. Donc, Picard, on prend un. Le deuxième, c'est qui? Il le prend. Moi je prends celui qui est dans la forêt là. Celui qui est là-bas, à gauche. Je parlais du cristal. Non, bah, je sais pas. Et donc, au niveau du DPS des clébards, ceux qui ont le cristal, quand c'est le moment du DPS, ils descendent dans la brume et ils les pètent sans leur cristal. Ils perdent leur cristal. Le cristal, de toute façon, dès qu'on se fait repérer, ils le perdent, ils repopent là où ils sont en storcie.
Ouais, ok. Mais eux, ils ont pas de multiplicateur puisqu'ils n'ont si, pas si, eu dès les. qu'ils descendent dans la brume, ils récupèrent le multiplicateur. Ok. Comme ça, c'est bien clair. D'accord. Alors, attends. Qui prend le deuxième cristal? Ne pas le prendre, mais dire qui va le prendre. Moi, je vais faire le guide en bas si vous voulez. Bon, je veux bien essayer, mais ça va être une première. Bon, dans ce cas, Flo, tu prendras le troisième chien, celui qui est au fond à gauche. Ouais, c'est au niveau du rocher là-bas, là. Voilà, dans le rocher au fond, ouais. Bon, Le à gauche. premier à gauche, c'était qui prenait? C'était super, ça. Premier à gauche, c'est moi, ouais. Donc ici, là, à gauche. Là, hop. Megra, Attends. tu prendras celui qui est dans les arbres, milieu gauche. Attends, donc milieu gauche, je vais Dans les aller arbres. avec pour être bien sûr. Bien reçu, Oui, ouais. donc il retourne là en fait. Il retourne là. Milieu gauche, non, c'est là, dans les arbres, où je me trouve. Ok. Attends, je te cherche. Je ne te Pourquoi les tue arbres? là. C'est Flo que je vois. Putain, je. Ah oui, ok. Attends, viens, on va montrer précisément que je ne me trompe pas. Donc il pop-up où le mien, du coup? Là, Ici. il se colle sur le sport en fait. Hein. Le chien, il se met à quatre Ok. pattes devant et il bouge plus. Donc vous êtes pas emmerdé, le chien il vous casse pas les couilles quoi. Mais donc c'est vraiment middle. Il n'y en aura qu'un middle là-bas et celui-là c'est le mien. Voilà. Et moi je prendrai le deuxième à droite. Et Turkish le premier à Ok. droite, c'est ça? Eh ben écoutez, moi ça me va. On va essayer comme ça déjà. Alors, qui lead un peu le cortège? Parce que dans mes C'est moi. souvenirs. Je vais vous dire, je vais vous mener. Ok. Ouais. Allez, on va faire un Allez, trail. descendez. À droite déjà, on va commencer à droite. Donc on prend chacun un sport. Prenez un sport. Voilà. Et vous me suivez. Attention, attends, recule, 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 Turkish. Recule, recule. Ah, repéré. repérer. J'ai perdu mon sport. Bon allez, on va se laisser pas, on va remonter dans le bunker, on va se protéger à l'intérieur du bunker. Allez. Ok. Turkish, je peux pas courir. Hein. Oh, faut. Turkish, faut rentrer. Turkish, il veut mourir. Par le haut, par le haut. Par au-dessus. Par là où on est rentré. Ça sent le Trop suicide. tard. Dans ton cul. Il va se faire bouffer. Aïe aïe aïe. Et puis on pourra pas aller le reste, on va se suicider et puis on va recommencer, c'est Ouais, pas on grave. va recommencer ça proprement. Comme ça, cool, ça va faire le plein de lune, c'est cool, ça c'est bien ça. Et alors, pour Ah se ouais, ça suicider, en permet de fait, voir ça. c'est Derrière dans dans le le trou bunker ici. là. Voilà. Ils ont prévu quand même la zone exprès pour se suicider, c'est pas mal. Hein? C'est beau le design. Ouais, pour montrer ce qu'il faut pas faire. C'est pour voir si on Alors on va soulève. rester groupé pour faire de la lourde, comme ça tout le monde pourra en récupérer tout au long de la promenade, après la première phase de DPS. On va rester groupé, on va partir par la gauche. Ok. Moi je suis plein en lourde, alors je vous laisse faire le Ah mais après DPS. la première phase de DPS, tu verras que tu vas refaire le plein de lourde, tu seras pas mécontent. Ouais, mais là je suis full. Ah, c'est vrai qu'ils en drop la blade. Ouais, oui. Ah, c'est vrai, il y a ça, il y a aussi les cabanes. Oui, c'est vrai. Mais par contre, comment ça marche quand on vous indique quelle fleur? Ça marche comment en fait? La fleur s'allume en violet. Ah, d'accord, ok. Ce que j'expliquais tout à l'heure, la fleur s'allume et à partir de là, tu sais où il faut aller. Ok. Donc, ils nous disent sur quelle fleur il faut aller, puis on y va gentiment et Ok. on charge. Non. On va rester au fond. J'ai toujours été un mauvais élève. C'est à gauche qu'il est. Ouais. C'est bon. Attends, j'attends que les deux comparses reviennent. Bon, On est prêt? donc du coup, moi, celui middle. Ok. Allez, ouvre, vroom, Première droite. middle. De gauche, attends. Première gauche. Hein. Un Vous êtes gauche. prêts? Bah On y alors va? un gauche. Venez, venez, venez. Allez, on va se coller. Non, Ah, t'as non, été trop tôt. Trop trop tôt. tôt. Ah, ouais. Faut attendre qu'on soit.